Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de Dying Light et du coup des quêtes secondaires. Aujourd'hui il faut qu'on recherche Tolga et Fatine. Pour l'instant, il y a plein de missions où il faut chercher des plantes, des algues, des conneries comme ça, mais j'ai pas envie de les faire. Parce que ça me prend le jonc. J'ai bien vu le dernier coup, ça me prenait le jonc. Magnifique ça. Ouh, coup de guitare, ouh. Coup de guitare, coup de guitare. Allez, hop, pas trop le temps de niaiser, excusez-moi messieurs dames, je passe, j'ai pas le temps de m'occuper de vous, les rogers. Et du coup je suis en solo, et oui, parce que papy n'a toujours pas de PC. Enfin, il a son PC portable, mais le jeu est pas installé dessus, le temps qu'il l'installe dessus, bah disons qu'il aura récupéré l'autre, donc bon, pas de papy, et bah qui rentre demain, parce que monsieur se permet des grands week-ends. En plus des petites semaines, il se permet des grands week-ends. Donc du coup, bah écoutez, on fait tout seul et puis voilà. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, où c'est qu'on va, là? Tu sais que c'est un rayon. Y'a personne dans celui-là. Y'a toujours un tunnel où y'a personne dedans. Ah si. Celui-là, il a pris un coup. Hein. Un coup. Oh, bonjour, c'est la police. Oh non! Oh, je déteste ces trucs de mots. Je déteste ça, vas-y, ouvre. Il faut qu'on aille où en fin de compte, parce que... Non, c'est quoi la map? Je ne sais plus c'est quoi la map sur celui-là de jeu, c'est celui-là. C'est ça. C'est un peu le... Ah, c'est là. C'est un peu l'inconvénient de relancer la sous-station nord-est. Ah bon, on peut peut-être aller là. On est tout près. Vas-y, suis celle-là, là, là. Là, 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 là. C'est bon, j'ai. Oui. Ah, on va faire celle-là, du coup. Alors, attendez. C'est quoi le lampion? C'était sur celui-là de jeu. C'est terrible quand tu changes de jeu tout le temps. C'est que tu ne sais jamais les touches. Incroyable. Et parce que sur House Flipper, la torche c'est F. Là c'est T. La map sur Far Cry c'est le. C'est Tab. La Tab c'est pour changer d'arme. Ah non, mais c'est une. C'est une Zermi finie. Hein. Par contre, je peux pas rentrer. I am perdu. Ah, mais je suis de l'autre côté! Bah non, non! Attendez, c'est quoi la map? I. Incroyable, je suis perdu, c'est un truc de ouf. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. Ah, hein. Oh, mais c'est pas du tout le même endroit! Bah yes! Non, mais je vais refaire celle-là. Hein. Puis on verra l'autre après. Hein. Vas-y, je vais là-bas. Bonjour, au revoir, merci! Je me tire. Hop là. Danger. Danger égale danger. Démerdez-vous. Pas le temps. Hop là. Une cheville. Pas de cheville. Impeccable. Et quand vous n'êtes pas décidé à mourir, vous, c'est incroyable. Incroyable. Et je me tire. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon combat qui s'endurcit. Hop là. Et hop là. Bonjour, au revoir. Je passe. Et il va faire une nuit en plus. Ça tombe bien. Parce que je... Mutir. C'est où l'entrée ici? C'est où l'entrée chez vous? Comment on rentre chez vous? Bonjour. Ah mais j'avais mis un marqueur. Mais pourquoi faire? Bon. Je vois pourquoi il y a un marqueur blanc ici. Bon. Écoute.
Ils sont où? Bonjour. Vous êtes Tolga et Fatine? Oui. Comment vous avez deviné? Peu importe comme son cerveau de primate traite l'information, on a un boulot pour lui. C'est vrai, Tolga. N'oublie pas, utilise des mots simples, ne le perturbe pas. Nous devons déplacer du matériel à travers la ville. Vraiment pour un débile. C'est plutôt lourd. Lourd comment? Trop lourd pour comme vos bêtes simiesques. Nous allons le propulser à travers le ciel grâce à de solides tyroliennes. Une idée brillante. Vous trouvez pas? C'était mon idée. Non. Dites-moi juste ce qu'il vous faut. Bah, des crochets, évidemment. Sinon, comment accrocherions-nous l'équipement sur les tyroliennes? Vous en trouverez dans les entrepôts ferroviaires. Il sait ce que c'est, un entrepôt? Sans doute pas. Renseignez-vous, mais faites vite. Je les tue ce ou... Ce projet est bien plus important que tout ce que peut comprendre votre cogitateur crânien proto-humain. Et n'essayez pas de comprendre ce que c'est. Mon Dieu, non. Vous feriez un anévrisme. Vous croyez que je les tue tout de suite? Bon, il y a des missions là, à récupérer encore. Nous avons embauché un gorille pour faire le travail. Alors, il paraît que tu cherches un traceur? On cherche quelqu'un qui sait pas dire non. Tu penses que le docteur Zaius est plus intelligent que Cornelius? Oui, évidemment. Les orang-outans étaient les plus intelligents. Cornelius a même pas passé son doctorat. Là, il y en a un autre. Pourrais-tu te calmer un peu et m'expliquer, s'il te plaît? Bien sûr. C'est clair que ça va résoudre tous mes problèmes. Le calme, c'est la solution. Non. La solution, c'est de mettre un peu de distance entre nous. Ok, ok. Une seconde. Bon, je me calme. Reste-t-il ton pistil. Je suis hyper calme. Ça y est, je fabrique des fusées. Pour Rice. Tu vois ce que je veux dire? Des fusées de détresse, tu veux dire? Non. Des fusées UV. Auxquelles les créatures de la nuit ne résistent pas. Tu sais, UV, comme ultraviolet. Ça te dit quelque chose? Des fusées UV. Ok, continue. Je peux pas continuer. Justement, mon zinc a été contaminé par du fluor. Il est bon à jeter. Du fluor. Puis, j'ai plus de térébenthine. Généralement, c'est pas un truc très compliqué à trouver. Mais depuis quelque temps... Donc, quand les gars de Rice vont venir chercher les fusées... Tu parles. J'appelle ça des gorilles psychopathes, moi. De quoi t'as besoin exactement pour tes fusées? De zinc et de térébenthine, c'est tout. J'ai le reste. Le problème, c'est que tout ça se trouve dans les entrepôts, près des voies de triage. Et je tiendrai pas 10 secondes là-bas. Personnellement. Franchement, je suis déjà étonné que tu sois toujours en vie. Très drôle. Si je vais te chercher ce dont tu as besoin, je veux la moitié des fusées que tu fabriqueras avec. La moitié? Tu ris ou quoi? T'es malade? Soit tu me donnes 50% de quelque chose, soit t'auras 100% de rien. D'accord, d'accord. Il n'y a rien à faire, Roger. Bref, il y a un pieu. Il y a une autre mission. Merde! Encore toi? Qu'est-ce que tu fous là? Du calme. Donc, tout le monde m'en veut. Je suis avec Rice. C'était une seule mission pour protéger la tour. J'en suis désolé, je le pense vraiment. C'est vrai? Je t'assure. J'étais et je reste du côté de Brecken. Tu peux demander à n'importe qui de la tour si tu veux. Il se passe quoi, Jafar? On a intercepté une des transmissions de Rice. Un des gars de son équipe a trouvé quelque chose sur le chantier. Et ils étaient comme des dingues. Ils ont pas dit ce que c'était. Mais ils ont parlé de faire tomber la tour en un seul coup. Quelqu'un doit trouver ce que c'est. Et le confisquer ou bien le détruire. Je suis ce quelqu'un. Félicitations. À toi le job. Ok. On reste en contact. Oui, oui. Toujours les bambinos. Le lit, parce qu'il faut arriver de jour. Hein. Et le lit, il est là-haut. Et comment je monte là-haut? Merde. Oui, maçon au 6. Allez, au lit. Il y a rien d'autre ici? Non. Allez, hop, d'où? D'où? Parce que là, il va me mettre de nuit, je pense. Étant donné qu'on n'était pas la nuit. Voilà. Et là, du coup, je redors. Il va me mettre de jour. Voilà, comme ça, je serai tranquille. Tranquille, tranquille. Ok, bon. Fouillis de l'entrepôt. Tu vas te calmer, toi, hein? Ah, j'ai loupé par contre. Bonjour! Une voiture de poulet là, mais bon, le problème c'est qu'il y a du mundo, hein, maintenant. Hein. Il y a du mundo, hein. On va être obligé de taper, hein. Tu me diras, celle-là, je peux peut-être la garder quand il y a Papy et Maki, puisque ça lui fait rigoler. Tu meurs jamais, toi, hein? Oh,
Et vous allez me laisser tranquille? Pas du tout. Faut encore me faire chier longtemps, toi. Ok. Tout ce que j'aime, j'adore. Mais j'ai pas trouvé. Bah yes. Voilà, ça va pas m'énerver. On s'en va. Parce que ça va me gonfler à force. Hein. Allez, go. Ah, ça va m'agacer très fortement. Donc j'aime autant arrêter. Avant de rage quitte le jeu. Ok, c'est ici. On peut descendre, mon cul. On peut pas descendre s'il y, y a le trou. Mais c'est pas là qu'on était déjà venu. Casser la gueule. Il y a du monde, non? Ok, comment je vais de l'autre bout? Par là-haut? Bah oui, oui, bah oui, bah yes. Laissez-moi descendre, please. Ah bah je suis mort. Bah yes. Ah j'aime ça. Moi ils vont me refaire spawn où? Ah oui ça a été... Ah oh, putain ils me remettent là les bâtards. Ah ça a été radical. Ah bah il est là. Lol. Bon, on recommence, c'est reparti mon Jean-Louis. Il est où le trou? Il est là. Voilà, là c'est déjà mieux. Hein. Il passe à travers le sol, le con. Ok, on va déjà débarrasser tout le monde. Hein. Apparemment, il va y avoir du monde. Oh, y a un gros là. Tu veux pas monter là, non? Voilà. Est-ce qu'ils vont monter les autres? Peut-être, hein. Étant donné que j'ai fait du bruit. C'est bien possible. Est-ce qu'on peut trouver des choses là-dedans? Pas sûr, non. Ok, bon. Vous aurez fini de crier. On trouve rien dans ces saloperies de caisse, hein. Très étonnant quand même. Ça m'étonne. J'ai vu qu'il y avait des autres caisses à... accrocher, mais je les garde en dernière. Parce que j'aime pas ce portable. Café. J'aime ta couleur, café. C'est dans l'autre sens, et c'est un intermédiaire. De toute façon, je sais pourquoi ça va pas, ce truc-là. Parce que je vais beaucoup trop vite. Mais comme j'ai très peu de patience...
Une faucille. Il n'y a rien là derrière. Hein. Y a rien du tout, mes couilles. Ok, c'est reparti, mon Jean-Louis. Coup de shot. Une batte de baseball. Et c'est tout. Et je cherche quoi? Les crochets. J'ai fait toutes les caisses, donc ça veut dire que c'est sur les étagères, mais celle-là j'ai déjà fait. Ça se casse, ça? Pas du tout. Sinon j'ai pas une arme plus pourrie parce que... Du genre la poêle à frire, mais à la place de quoi? À la place de ça. Putain, mais nom de Dieu. Pas cassable toi, salope. Après j'ai pas regardé au-dessus. Putain, c'est pas un truc qui est posé quelque part au lieu que je me fasse chercher comme un idiot là. Mais merde. Ça va être gros quand même les crochets, non? J'ai passé devant peut-être. Ben, j'ai dû passer devant. Au moins 2-3 fois, je suppose. Ah oui, mais j'avais oublié. Attendez. Bah ben, oui, j'oublie. Ah oui, parce que dans ce jeu-là, on a ça. Bah ben, yes. Ce qui me donne absolument rien. Là-bas, il y en a. Là. Voilà. C'était bien là-dedans. Eh oui. J'oublie. Mais ça, c'est encore une fois. Parce que je change de jeu. Donc quand tu changes de jeu, bah t'oublies. Magnifique. Et là j'oubliais que j'avais ça. Bon, par contre, fais un effort. Ouais, des fois. Il y a des fois assez contre-intuitif ça. Je peux pas ressortir par le tuer. Normalement. Hein. Ah bah yes. J'avais oublié ça aussi. Ok. Donc tu prends ton manteau, on s'en va encore. Bonjour, c'est moi, je passe. Allez, passing. J'ai cuit. Hein. Je crois bien cuit. Hein. Ok, merci, magnifique le grappin qui veut pas s'enclencher, j'adore. Bah yes. Allez, je prends le mille. Incroyable. Nous l'avons sous-estimé. Difficile de nous en vouloir. Regarde-le. C'est bon là? Vous avez terminé. Nous avons du travail. Quand nous aurons fini, nous laisserons des tyroliennes en place pour vous. Oui, nous savons que vous autres primates aimez vous balancer liane en liane. J'ai envie de le tuer. J'ai envie de le tuer. Allez sur un chantier. Un chantier de quoi? C'est loin. Oh, ça perpète. Y a pas plus proche là? On est où? On est là? C'est quoi ça? Allez au bazar et trouver Aziz. Aziz! Aziz, Aziz, Aziz. Cool. Hop.
Je suppose que je peux pas sauter sur les barbelés. Ok, j'ai eu chaud au cul. Hein. Il faut trouver. Ah, si, 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 si. Ah, j'ai une mission là-bas. Il est où? Ah, tu viens enfin me voir. Ça fait des jours que j'attends. Tu es toujours aussi lent. Tu es peut-être immunisé contre mes appels. Bien. Les plus forts sont les plus durs. Mais ils valent vraiment la peine. C'est toi, la sorcière? Quel ton méprisant. Bien entendu, tu ne crois pas à toutes ces histoires. Bah non. Tu es ici parce qu'on m'a dit que tu avais un pouvoir. Tu veux connaître mon secret pour marcher parmi les immortuis sans qu'ils m'attaquent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien ça. C'est possible? Pour toi? C'était une belle tête. Non. Hop. Tu es bien trop ignorant et arriéré pour maîtriser un tel savoir. Et ça fait déjà deux aujourd'hui, je vais la tuer aussi. Solution. Quelque chose que je peux faire pour toi. Je suis prêt à négocier. Tu n'es ici que parce que je le veux bien. Et je te donnerai ce pouvoir parce que je le veux. Tu en auras besoin pour me rendre service. Tu te rendras dans les grottes ce soir, pendant que les rapaces chassent, pour me rapporter autant de champignons noirs que tu pourras emporter. Tu peux être fermé. Il m'en faut pour préparer une potion. C'est tout? Voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire, toi, hein, ta gueule. Allez hop. Volcan. C'est sympa de passer. Ça faisait longtemps. C'est toi, Maurice? C'est toi, Aziz. C'est Ryan qui m'envoie. Qu'est-ce qui est arrivé à Assam? D'après toi? Vous prenez de sacrés risques dehors. Écoute, j'ai tout sauf le phénylnitrate. Alors t'as pas ce qu'il me faut et ça va pas le faire avec Ryan. Qu'est-ce que je peux y faire? Le coursier a planté sa caisse dans un tunnel la nuit dernière. Il est avec Assam maintenant et ton phénylnitrate est coincé dans le coffre de sa voiture. Si tu le veux, va le chercher. Parce qu'il y en a plus à Aran. C'est le dernier lot qui reste. Sa voiture ressemble à quoi? Blanche, je crois. C'est tout ce dont je me souviens, une caisse blanche. Alors, tu vas vraiment le faire? Ryan n'aime pas qu'on le déçoive. Il doit être un sacré dur. Si tu t'en sors, j'aurai peut-être un truc à te proposer. Non, merci. J'ai assez de choses. Bon. Ok, donc j'ai deux machins à voir. Bon, eh bien, monsieur Leban, je vais vous laisser pour ce soir. Ça marche, monsieur Kayak. Et puis, à vendredi, normalement. Eh bien, à vendredi, bon courage pour cette semaine. Merci, toi aussi. Merci. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Monsieur Chris se bat. Attention, s'il vous plaît. Comme vous ne réagissez pas au sifflement, nous sommes obligés de communiquer avec vous directement. Nous vous ordonnons de venir immédiatement. Ici Crane, c'est vous, Tolga? Il veut nous parler. Moi, je ne veux pas lui parler. Je t'ordonne de venir ici. Je t'ordonne, non mais... Et t'as la radio. T'as raison. Ouh là là, je suis mort? Comment ça, je suis mort? Comment ça se fait? J'ai entendu tout, 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 tout. Et puis hop, je suis mort. M'explique ce qu'il y a eu, là? Je me suis fait saigner le huc. Copieux. Bon, du coup, ça doit pas être le bon tunnel. Parce que j'ai mouru. J'ai mouru copieusement. Ouais, j'ai entendu un tout, tout. J'ai eu des frissons dans le dos, mon Dieu. Ça m'arrive pas souvent. Bon, alors attends. Tiens, mange tes morts. Bon, par contre, si ça retouk-touk. Bah là ça va tuk-tuk là. Ah mais c'est pas lui, il m'a pas one shot, c'est pas possible. Il a pas pu me one shot, c'est pas lui. Je suis derrière moi. Putain comme j'ai eu des frissons dans le dos. Terrible. Toi ta gueule. Ouah, j'ai chopé des frissons dans le dos, incroyable. Ah bah là c'est pas moi. Et là on peut pas l'ouvrir. Caisse blanche, caisse blanche. Après s'il dit de la merde aussi, c'est peut-être pas une caisse blanche. Ah. Y'a rien mes couilles. Je
je me remets en hauteur quand même. Wouah, j'ai chié mon fuck. Fuck. J'ai rien pour éteindre le fire. C'est ça ton paquet de mort. Ouais, j'ai ton phényl nitrate. Génial. Apporte-le ici. Ah bah t'as où? J'ai eu la pâteuse d'un seul coup là. Ah les pâteuses, c'est très très bon ça les pâteuses. J'adore. Bonjour, merci, mais non merci. Hop. C'est toujours pour moi ce genre de conneries où t'entends un toc 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 toc, puis tu meurs. Tu sais pas pourquoi. Oui, bah souffle pas comme ça, t'inquiète pas, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. Ok. Je suis pas pisteur, je suis coursier, moi. Il est où à la tour? Allez, monte en douille. Si t'es fatigué, tu te reposeras demain. Allez hop. Oui, il est dans la tour. Ok. Bien pouvoir sortir d'ici. Ça, c'est du café. Je vois enfin la lumière. Oh. De la merde. Ok. Du café, quel soulagement. Oh, vin dieu, le bon dieu, le vin dieu, tiens. Il a un plan pour s'occuper de Ryan. Ok, on me laisse lire. Ils sont gentils. Vin dieu, qu'est-ce que tu fais, toi? Ok. Ouverture. Tu me sauves la vie. Ryan ne se dira pas la même chose quand j'en aurai fini avec lui. J'ai une meilleure idée. Apporte-lui plutôt ça. C'est du diavolon, un somnifère. Laisse-le préparer un lot avec cet ingrédient et ça enverra les gars de Rice au pays des rêves. Je crois que Rice va pas aimer ça. Probablement pas, mais ils ont besoin de sommeil. Et il n'y a plus de phényl nitrate, alors Ryan va mettre la clé sous la porte de toute façon. J'aime ta façon de penser, Aman. Ok, on refait le coursier, j'adore. C'est reparti. Je fais le coursier. Bonjour, c'est moi le coursier. Par contre, j'ai pas compris ce... Toutoum, toutoum derrière moi, puis roi. Faut qu'on m'explique. J'ai pas repéré le tunnel où c'était, je me tâte à y retourner quand j'aurai maqué Pipopi quand même. Parce que là, à mon avis, ça doit être un gros truc quand même. Hein. Il doit pas être cool, il m'a one shot. Hein. Ah, lol. Ah. Ah, ça doit faire mal. Ok. Ça, j'en ai toujours besoin parce que vu comme j'en bouffe. Je vais sauter au petit groupe. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a de poussif? Bonjour, c'est le métro.
Allez, au lit. Au lit. T'as vu, il est toujours poussif. Oh, tu me diras, j'en demande un peu beaucoup quand même. Faut pas déconner. Bonjour. Bonjour Xmi. Oh, c'est en dessous. Merde. Ah. Putain, mais j'ai eu chaud, hein. Donne-la-nous. Ah. Marre de demander gentiment. Je prends le P2 peut-être. C'est qui ce crétin? C'est un crétin. Les amis de Ryan sont nos ennemis. Holy. Un point derrière. Putain, j'ai plus de bastos. Ok. C'est vrai que j'étais à la tour, je peux pas savoir avant de me broder là. Ils n'ont pas l'air d'être cool les messieurs. Ouais, inventaire plein, bah yes. Yes. Tout ce qui est blanc, je vends. Enfin, je vends. Je démonte le, pardon. Ok, bon. Ryan, c'est moi. J'ai ta cam, ouvre. Oh, merci. Ils allaient mettre le feu à la maison. Qui étaient ces gars? Des concurrents. Il n'y a plus de phényl nitrate à Arran. Alors ils voulaient récupérer ma dernière commande. Voici un bonus pour être revenu pour moi. Je crois que ça va être mon dernier lot. Content d'avoir fait affaire avec toi. Un bon conseil. Quand t'auras fait ton deal avec Rice, change d'endroit. Ne reste pas ici. T'inquiète, j'ai tout prévu d'avance. Je crois pas, non. Ok. Allez, trouver toi, gars. Oh putain, faut aller retourner voir les autres bebeux là. Bah yes. Bon. Par contre, faudra que je rachète des balles. Il me faut un peu de tout là. Tu peux pas monter là, non? Bonjour. Je passe, c'est tout. Hello. It's me. Trop loin pour atteindre ça. Ok. C'est qui sont les deux bebeux là? Ah, mais on a l'école encore. Putain, on est tout le temps là. Oui, nous ne voudrions pas le perdre. Devrait-on se mettre. Salut les gars, c'est pourquoi cette fois-ci? Vous comprenez ce que c'est une batterie? Olga, tu vas le dégoûter. Dans le compartiment moteur d'un bus se trouve un rectangle lourd. Je sais ce que c'est qu'une batterie. Il nous faut des batteries de bus, avec des plaques de qualité marine. Et une CDF de 1300 ou mieux. CDF signifie capacité de démarrage à froid. Évidemment. C'est une batterie plutôt grosse. Ouais, ça doit faire entre 50 et 55 kilos pièces. Ça correspond à plusieurs gros cailloux. C'est un américain. Le système métrique le rend nerveux. Il nous en faut trois. Vous pouvez utiliser la force brute. Nous savons que vous autres primitifs aimez montrer votre force. Et je vais l'enculer, lui, hein. Vous pensez que ça joue, tu vas voir, le primitif. Stupide. Je vais le faire, le primitif, tu vas te prendre ma main dans la gueule. Comment il peut vivre comme ça? Qui sait? Vous avez vos instructions. Allez donc les interpréter à votre guise. Je vais t'en foutre du primitif, fils de pute. Je vais t'en faire des choses primitives. Tu vas avoir mal au hook. Alors... Du coup, où se rend-on? Ah bon? Bah bonne nuit. Ok. D'accord, dégage.
Mais il y a pas de... Elle est énervée, Justine. Il y a pas de bus avant. Au lieu de me faire aller à Perpétuité Sandwich, mais je sais pas pourquoi elle a allumé sa merde là. Attendez, deux secondes. J'ai pas besoin de ça, moi. Voilà. Pas besoin de cette connerie. Hein. Alors. Ah, il voulait absolument là-dedans. On a dû payer les mines d'eau. Ah, puis là, j'ai plus d'armes. Hein. Et celui-là, à mon avis, il rigole pas. Hein. Voilà. Ça sent le huc. Bon. On va laisser venir ceux qui veulent monter. Déjà. S'il y en a, ils vont monter. Hop, t'as vu, il y a deux. Vas-y, montez. Hein. En tout cas, ceux qui veulent monter. Putain, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Oh là là. Là, il y en arrive. Bon, bon, là, ça va saigner. Hein. J'ai plus d'énergie, déjà. Se relève? Non. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Ok. Je vais y passer ma nuit, je pense. Il faut pas que j'attire le groupe qui est là-bas parce que je suis dans la merde. Ok. Bon, alors voilà un gros péto. Putain, le monde. Le monde. Les batteries sont devant sur ces bêtes là. Ou elles sont derrière. Ah, lui il va pas être tuable hein, Roger. Ça va être compliqué hein. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Y'a pas un coup de grâce qu'on peut faire en sautant dessus? Ah putain! Je sais qu'elle va faire chier lui. Hein. Wouah, je m'en chie. Oh, je l'ai eu. Cool, bah yes. T'es mort? T'es mort. Ok, nice. Bon. Bon, un gros. En plus, ça m'a rien donné du tout. Elles sont où les batteries sur ces putains de bus? Devant, sur le côté, derrière. Normalement, elles sont devant, non? Je comprends rien du tout. Enfin, je sais, je comprends, mais... J'ai encore du monde à buter, quoi. On sait petit à petit, là. Alors, qu'est-ce que ça me donne après? Lui, il a pas l'air d'être content, lui. C'est un crachouille, ça, non?
Ok. Il est où l'autre tracheuse? Il est où l'autre fils d'eux là? Ah, il est là-bas. Tu me veux, toi? Je le loupe, putain, mais. Fils de pute. Ok. Il est où le gros là? Ah, puis il y a des petits. Il y a des petits. Bah, yes, bah, je suis obligé de passer là. Vas-y, venez. Hein. Ils me font mal les bâtards. Hein. Ok. Il y a encore des petits. J'ai atteint, je sais pas quoi, j'ai pas vu. J'ai même pas lu. Hein. Bon, il reste deux gros, c'est ça? Voilà. Et puis l'autre de l'autre côté. Ah bah là, par contre, il m'a eu. Oh, ce bâtard, où? Debout, debout, debout. Là, il y a un petit. Ah, je voulais pas faire ça. J'étais en train de me dire dans ma tête, est-ce qu'il me reste des pétards, des conneries, mais pas du tout. Parce que j'ai tout pris que le grappin. Ok, nice. Merde, ça c'est moins nice par contre. Putain, il n'y a pas de batterie sur là. Ah, là il y a de la musique. Il y a de la musique sur celui-là. Sauf que je rentre comment dans ce machin de mort? Je rentre comment dans celui-là? Tilo, il y a quelque chose là? Parce que celui-là, la trappe est ouverte au-dessus, je crois. Ah non, elle est pas ouverte. Si, elle est ouverte. Elle est semi-ouverte. Je sais pas comment je vais y faire. Là. Ok, bon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Bon, comment je fais? J'en ai une, ok. Ok, donc faut que je surveille les, ceux qui font de la musique. De toute façon, faut que je tue l'autre. Hein. Putain, y'a un de ces bordels. Incroyable, non? Ok. Au pif. Bon alors normalement, je sais pas si je le trichote pas le bonhomme quand même. Y'a que de la thune? Aérosol. 15 balles. Ok. Un ou deux. Enfin si on est plus que les deux.
Oh, vas-y, j'étais assez loin. Fais pas le Marseillais aussi. T'es un Marseillais, toi. Ok, nice. Ouais, je crois bien que je l'ai trichote, hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ah! Ok. Putain, il n'y a pas de batterie dedans. Fils de. C'est vrai que j'ai pas prêté attention s'il y a de la musique ou pas, mais bon. Ça en fait de la thune quand même. Bon, là, c'est des coûts de 9$, 16$, mais ça fait de la thune. Comment ça se fait que la batterie elle se met là-devant d'ailleurs? Ah, ils n'ont compris, il y en a une là. Ah yes, il était ouvert en plus. Mais c'était pas facile. Lui. Il y avait du monde en tout cas. C'est pas que c'était difficile, c'est que. Il y avait du monde, j'avais plus d'armes à feu. J'avais plus d'armes à feu et il y avait quand même 3 gros. Bah les 3 gros, au fin de compte, si tu l'auras. Parce que je sais que j'ai eu une attaque pour one-shot les petits. En arrivant par le haut, c'est pour ça que je m'amusais à faire comme ça d'ailleurs. Mais je one-shot les petits et puis je trichote les gros avec ce truc là. Donc c'est quand même pas mal. Bon après, faut pas te louper comme je me suis fait. Enfin, comme j'ai fait. Ou je me suis cuté. Enfin, je me suis écarté. Le dernier coup, je me suis écarté, mais pas suffisamment. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Merde, hein, à un moment donné, quoi. Allez, de kéké. Vérifie qu'il n'y a pas de traces dedans. Bien joué. Aucun problème avec la partie arithmétique de la mission? Il vous reste encore combien à faire sur votre projet? Pas vos oignons. Au revoir. Ouh, j'ai envie de l'enculer quand même. Ouh lolo. J'ai vraiment envie de les enculer, les deux frères Mickey là. Oh Mickey. On peut les tuer s'il vous plaît? Parce que bon. Merde hein, au bout d'un moment. Alors allez dans les grottes de nuit pour ramasser tous les champignons. C'est non. Je vais attendre mes copains. Parce que tout seul ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être chiant. Il y a un vendeur ici. Mon cul, rien du tout. Oui. Cette école, elle nous en aura fait voir. Alors. Alors. Rendez-vous en gare. On est où nous? On est là? Ok. Nice. Hop. Arrête avec ta poêle à frire, t'es chiant. Au lit toi, recule. Coquine. Ok, bon. Ah, ça n'a pas marché. Oh putain, je me suis fait du mal. Hein. Ah, il y a du monde dedans. Magnifique. Il y a du monde dedans. Ah oui, j'espère qu'ils ont pas d'armes. Hein. S'ils ont une arme, faut que je dégage. S'ils ont une arme, il faut que je bouge. Parce que moi j'en ai plus. Bien sûr que je peux pas rentrer. Ah bah je croyais que je pouvais pas monter. Ah lol. Il tire là. Lui il en a pas.
n'importe quoi là. Donne-moi tes armes là. Y'a pas de mine. Y'a pas de mine. Attendez. J'ai 16 balles. Pas trop intérêt de faire le con. Lui il se fait tirer dessus. Toi t'as pas d'armes. Si tu veux toi. Chose là non. Ok, nice. Bon, il y en a encore un en dessous, je crois. Ok, ah bon, il faut que je fasse quoi là au milieu? Rendez-vous. Bon, j'y suis, hein. j'y suis. Et quand je vois le monde qu'il y a, il y a encore un bonhomme qui garde. Je sais pas où il est. Il est où ce fils de? Il est au-dessus? Tu vas te calmer par contre, toi, oui. Bah yes. Trouver le poudre de zinc. Oh ouais, non, bah ouais, bah yes. Allez, tous à la filée, d'accord. On fait comme ça. Chacun son tour, hein. Allez-y. Suivant. 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 Ok. Bon, on a déjà une partie. Après, bon, le gros, il est là. Là, il y a du bordel, mais ils vont monter par où? Vous montez par là? Vous montez par là, peut-être? Ok, laissez-moi reprendre un peu de force. On peut arrêter de vous relever 2 minutes. Comme il me regarde là-bas en bas. Pas très rassurant toi. Hein. Je fais de la bouillie. Ça, ça me va. Ça fait plaisir. Si tu veux, toi. Ah merde. Et puis après j'y ai pu. Encore. Bon, vous pouvez vous arrêter 2 minutes. Il reste quoi le gros? Non, il reste 2-3 petits encore. Hein.
Arrête de me casser les pieds. Elle se relève ? Pas du tout. Ok. Ça ne faisait pas partie du truc, mais c'est pas grave, ça me va aussi. C'est bon. Ok. Y'a plus que vous deux là. J'aurais pu faire ça dès le début. Il y en a encore un là-bas. Ok. Ça. Bon, y a plus que le gros. Enfin, je crois. J'espère. Parce qu'il y a un peu beaucoup de monde quand même. Ah, disons que c'est plus facile quand il y a Papy et Maquet, parce que tout ce que eux ils tuent, moi je ne le tue pas. Du coup, ça va beaucoup plus vite. D'autant plus que après on est toujours là pour se relever, donc ça va. Parce que quand t'es tout seul, tu perds tes points, tu perds tes points et tu l'as même plus qu'un. Après, c'est terminé. Tu te fais intuber une fois, c'est fini. Mais encore là-bas. Je vais chercher mon bordel là-bas au bout. Il y a plus que ça, j'ai tué plus de monde que ça, non? Ok. Est-ce que je m'amuse à tuer l'autre ou est-ce qu'il y a une entrée? Mes couilles, il n'y a pas d'entrée. Puis lui, il va me caler ou pas? Quoi, qu'est-ce que j'ai branlé? What the fuck? Ah, c'est... espace, j'appuie sur F et ça a marché. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais peut-être m'en débarrasser quand même, en fin de compte, parce que... Adieu ce bordel. Je suis chaud au cul. Hein. Il est pas mort. Hein. Ok, merci beaucoup. Parce que là, j'ai rien compris de ce qui arrivait. Il y a encore des petits. C'est qu'il est. Là, là, voilà. Là, voilà, je ne sais où, d'ailleurs. Oh, putain, j'ai descendu, bordel de merde, à cul. C'est qu'elle est, la salope. Là, il y en a un. Ok, nice. Elle est où l'autre pétasse? Ah, mais la respawn! Ok, nice. Pourquoi il m'affiche toujours qu'elle est là? Elle est là-haut. Il est là-haut. Ok, bon. Pour l'instant, on s'en bat les couilles. Il y a du monde ici. Je regarde derrière moi quand même. Ça respawn. On a des autres ou pas? L'autre il a descendu, je crois. Il est descendu. Et il est là. Voilà où il est. Vas-y, monte. Il m'a fait flipper ce pont. Ok. Ça suffit maintenant, tu vas me laisser tranquille. Il y en a encore un. Et je pense qu'il respawn. Je peux jamais être tranquille. Là, il y en a un là. Ta gueule. Je
Vous allez me laisser tranquille deux secondes. Ok. Mais ça me donne rien du tout, ça. Chercher dans les wagons, mais les wagons sont pas ouverts, donc c'est pas très pratique. Ah oui, c'est pas ouvert, ça. Mais je suis con comme une valise, hein. Putain, à chaque fois, hein, j'oublie. Ah si. Ah pardon. Ouais, j'étais obligé de tuer tout le monde quand même. Maintenant, y'a rien. Ok, bon. Alors là-dedans, y'a quelque chose. Ok. Bon, je suppose que ça va respawn du coup. Là-dedans, y'a rien. Puis te mettre la musique avec, j'adore. Là, c'est mort. Non, c'est pas mort. Ok, nice. La térébenthine. Bon, la térébenthine, c'est là-dedans. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? C'est là derrière? Bah yes. Comment j'y vais? La Thérèse Bantine. Il n'y a pas de passage, je suppose. Il n'y a pas de passage. Ok, faut que je remonte. Ah, il y en a encore un là-bas. Probablement. Ok. Bon, il y a du monde là en bas. Déjà, faut que je trouve un passage. Il y a du monde. Il y a un de sûr là. Ah, comment j'y rentre là-dedans? Comment je rentre là-dedans? Il est mouru. C'est quoi que je cherche? Le terrible intime. Ah! J'ai qu'un compartiment. Là, il y a de la gaz. Ah, mais je peux ouvrir. Ah non. C'est plus loin qu'il y a du monde. Mais ça me paraît étrange parce que on dirait qu'il n'y a qu'un petit, il n'y a pas de gros. Ou alors c'est un gros que j'ai pas vu. Possible. En tout cas, il y en a un, c'est sûr. Ça, on s'en fout. C'est un petit, ça. C'est un petit, il y a moyen un gros même. Il y en a encore un là derrière. Ok. Bonjour. Te relève pas. On est déjà 1h05 de vidéo, monsieur, mais je fais pire qu'avec les autres, c'est terrible. Ok, j'ai. On s'en va. On va aller lui donner sa merde à l'autre, et puis après, on arrête pour aujourd'hui. On va essayer de repartir par où on est nu, ce sera peut-être plus simple de refoutre le camp. Parce que je sais pas ce qui me rattend dehors. Hein. Vraiment pas grand-chose. Pour l'instant. Oh bah vas-y, on a des sacrées missions quand même. Ah mais on est à l'hangar à côté de l'autre de tout à l'heure. Ah yes. En tout cas il y avait encore du monde dedans. Ah puis la nuit va arriver donc je voudrais bien qu'on se barre avant que la nuit arrive.
Ça m'arrangerait. Ouais, mais j'ai plus de souffle. Ça tombe bien. Hop. Oh putain, ah ça. Je veux pas. Je suis dit, ça y est, je vais refaire la même connerie que tout à l'heure. Hop, je peux pas rentrer. Ok, nice. Bon. Alors, t'as trouvé ? T'as trouvé ? Fais voir. Oh oui, c'est génial. Tu me sauves la vie. Je crois que c'est le début d'une magnifique... T'arrêtes tout de suite, on n'est pas amis. Non, bien sûr que non. Une magnifique collaboration. Même pas. Écoute, tu m'expliques comment tu fabriques tes fusées et je m'en vais. Ok, pigé. Marché conclu. Reçu 5 sur 5. Arrête. Je me tais. Il est agaçant, oui. Ok. Eh ben, salut Zaïd. Ah, bon. Ok, eh ben, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, messieurs, dames. C'est déjà pas mal. On n'a pas fait énormément de choses, mais on n'a pas arrêté. On a quand même fait quelques missions, pas déconner. Je vais me mettre dans le jour, dans le lendemain. Histoire d'être sûr. Et puis voilà, la suite, ce sera... Alors, la suite, ce sera samedi, normalement. Puisqu'il y aura... peut-être un décalage jeudi, on verra. Alors, le problème, c'est que jeudi, j'ai appris qu'il y en avait la deuxième qui sortait. Du coup, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. J'ai appris qu'il y a un deuxième jeu qui sortirait peut-être jeudi, normalement. Donc, on verra. Du coup, moi, je vous dis à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes à la vie dans la soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.